Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est les populations de Taïba Niaï, de tous âges, les jeunes, les femmes, les personnes âgées, qui ont senti la nécessité d'organiser cette journée appelée Sarga. C'est le jour de la Tabaski qu'une délégation est venue me voir à la maison, collectant déjà 250 à 300 000 francs pour amorcer cette journée. L'enveloppe m'a été remise par Papa Falmi au nom du comité d'organisation. Je les remercie très sincèrement. D'abord par la spontanéité de l'action. C'est eux-mêmes qui ont pris l'initiative et c'est à ce moment, je leur ai dit, nous allons organiser une journée sargale. Nous allons profiter de cette occasion pour prendre effectivement l'honneur qui nous est fait par deux organisations internationales qui ont été citées tout à l'heure, en particulier par l'Union mondiale islamique et comme l'a dit tout à l'heure, l'ambassadeur, son excellence, M. Chantelian Bay, accompagné de notre ami de 40 ans, Mikaël Bay. Aujourd'hui, nous sommes doublement ambassadeurs pour la paix, pour le Sénégal et pour l'Afrique de l'Ouest. C'est un titre important et ce titre, nous l'avons dédié à la population de Taïba Niaï et sous le parrainage de son excellence le président Macky Sall et le parrainage de notre Sorna Mamfamassi, Tabarakallah Alamin. Nous la remercions pour sa participation, pour son action de tous les jours à nos côtés. Nous remercions également son Famandiaï, Inch'Allah, qui, comme je l'ai dit, est également la première des premières. Cette journée, véritablement, comme cela a été dit par les jeunes, au nom de Abdou Mbaye, président des jeunes conscients pour le développement de Taïba Niaï, par les femmes, Cham Sam et Ami Diakhaté, qui sont des compagnons de tous les jours, de la première heure, mais également des personnes plus âgées. Un est à mes côtés, Ndiaga Samb, qui, depuis 1990, est à nos côtés pour nous accompagner. Nous le remercions pour son engagement. Nous remercions également toute l'équipe municipale, en premier le deuxième adjoint au maire, le premier adjoint qui est aujourd'hui maire de la commune, Hassan Diaye. Je remercie aussi le deuxième adjoint qui a parlé tout à l'heure à son nom et qui a véritablement lancé un appel pour que nous puissions l'accompagner pour développer, continuer à développer la commune de Taïba Niaï. Nous remercions également tous nos invités qui sont venus du département. Le président du groupe parlementaire, Amin, le coordonnateur Diaye Simbeng, ils ont parlé tout à l'heure, ils ont fait parler le cœur et ils ont fait part des actions importantes que nous avons menées ensemble pour faire gagner la coalition Benobo Koyakar au niveau du département de Dior. Pas seulement dans la commune de Taïba Niaï, mais dans tout le département, partout où il y avait des difficultés. De par notre expérience, nous avons pu régler énormément de problèmes pour qu'ensemble nous puissions gagner. Je pense que le Sénégal traverse des moments, je ne dis pas critiques, mais nous devons, nous, en tant que responsables, nous soucier de l'avenir de ce pays. Je pense que nous avons intérêt tous à nous lever et à travailler pour donner une majorité au président Macky Sall de par l'espoir qu'il suscite par rapport à ce qui nous entoure, les pays qui nous entourent, à part la Côte d'Ivoire, tous les pays sont en crise. En crise et dans une crise profonde. On n'ose même pas parler de démocratie dans ces pays. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal est dans un tournant et nous devons tout faire pour éviter ce qu'on appelle, quel est le terme, la cohabitation. Le Sénégal, à mon sens, n'est pas encore mûr
pour aller vers une cohabitation. Nous devons conforter la majorité, lui donner les moyens pour pouvoir traduire concrètement sa vision et aller vers l'émergence comme cela a été décliné dans le cadre du PSA. Je pense que de ce point de vue-là, nous devons tous nous lever pour donner une majorité écrasante et je ne doute pas que Taïba Ndiaye devra faire le plein des voix le soir du 31 juillet 2022. La marraine de 500 000 francs. Tous les fils de Taïba Ndiaye qui ont été dans l'organisation de Méli. Et vraiment, ce n'est pas le cas. Nous avons eu un son. Nous avons eu un son. Nous ne pouvons pas nous sentir. Nous avons besoin de nous sentir. Sénégal, je suis venu à la maison de la commune.
élection yi passé ñaari jooni nit la am na ra dem ma wax ba mu ñew tay andu tok wacci ligui bi jappalé ma président de la république baña am majorité ci assemblée opposition bi am assemblée am majorité lolu la ni sunu démocratie gëw mo ni ag nafa ndax ni ma déggé opposition bi wax ko moy bu lolu amé le gouvernement bi indi rek nañ ko rejeté mo indi blocage té sénégal dafa am fu mu tollu tay du bëgg mu jëm ci kanam ndax réew yi ne wër ku ne xam na la fa xew tay sénégal ni ko partenaire yi dimbalé ko gis dëgg la jafé jafé am na prix yokku na waye waral na fé gëna yokku su état bi amul won dimbal yu joggé ci partenaire yi kon bu né pétrole bi lepp doon multiplier par deux yokku amna waye waral na fi gëna metti te yalla xam na ni bu mu sagane ba majorité bi rek dana gëna metti ndax dimbal yi joggé bitim rew bës bu ñëwulé yalla xam na ni état bi du antenul crise bi nga xam ni mo xew ci sénégal xaw ki aduna yépp suñu wax nañ ko del Macky Sall du intérêt Macky Sall intérêt sénégal ndax xam nañu lu xew marokinu jégué bi crise bi amé sen litre gasoil mi ngi ci 2250 dafa doublé kon ñun bu ñu nekk ay 600 700 xam ngeen ni dimbal yalla la lolu nan ko xam bu baax metti na waye metti bi aduna bi yépp la dédena jeex sénégal amna chance bo xamni pétrole baangi ñew gaz baangi ñew waye bu mu amulé jamm du ñu ko jëriño bala nga am jamm bala nga mëna jamm yalla sax da nga am jamm kon nan délo ci wat xel yi opposition bi deug la jambar lañu nañ leen ñaanal ñu am résultat yu ëpp li ndan am waye man de gëmuma ko invitation gëmuma ko de amna ñaar fukki assemblée xamna rôle bi nga xamni assemblée ñu koy jouer deug na nak 13e législative bi lu nañu wax ko waye bo cété ni ci juroomiyat ñetti député lañ fay wax dañuy wax lepp ñu bëgg ci rimbalé ñepp lolu depot la ñu wara nek je pense que ni lolu ci kanam dañ ci defa genn débat mais fi sénégal tolu dal ñu ñu bëgg moy wa tayba wa département wa sénégal ñu jox majorité au président Macky Sall 31 mu aggalé liggéey bi 2024 2024 rek ñu xol nak ñu def ak ñom ñoo leen di gërëm di leen sant yeen wa presse bi ñoo leen di sant lu ñu xew la gën tew sang bi ma laccé ñu ma yexé ku leen mais xama nay bi gën ñew ndax événement bi mën leen ko bañé tardé ndax vous êtes nos partenaires vous êtes le 4e le 5e pouvoir ñu leen di gërëm di leen sant rabbi sen yalla ñi ngi jox Lieutenant.